Sound Productions. Salut tout le monde. Donc voilà, nous sommes nouveau en session. Cette fois-ci, je suis accompagné de mon fils qui a ses deux cannes juste là. Et puis moi, j'ai mes trois cannes là-bas. On est arrivé hier. Les températures sont plutôt agréables. Ils annonçaient plus froid pour la nuit. Ayant mon fils avec moi, j'ai préféré mettre la surtoile histoire de au maximum couper le froid. Et finalement, j'ai acheté un petit thermomètre hier. J'ai mis avec un aimant et c'était la classe parce qu'il faisait 12 degrés quasiment durant toute la nuit. J'ai eu une décroche ce matin. Mon fils, lui, il a fait les surgents une fois de plus. Et nous avons Fab qui nous a rejoint hier durant la journée, qui est là-bas au fond, où on a fait la dernière vidéo. Et lui, cette nuit, il a fait deux communes, dans une belle de pas loin de 10 kilos, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a replacé les cannes correctement ce matin. Comme je vous disais, j'ai eu une décroche. Et sinon, depuis, c'est le calme plat. Mon fils, lui, est parti pêcher le brochet. Il en a décroché un également. Et puis maintenant, on attend les touches. Et normalement, il ne devrait pas pleuvoir. Ils annonçaient meilleur temps que ça. Il fait gris. Et voilà. La raison pour laquelle on a mal pêché hier, c'est que je suis resté embourbé sur le chemin avec le véhicule. Il nous a fallu pas loin d'une heure avec Fab pour sortir le véhicule de là. Et de ce fait, c'était un peu chaud, quoi, un peu sport pour finir correctement. Histoire aussi de que le petit aille pas se coucher trop tard, qu'on puisse souper et tout. Donc il a pris son repas, brossage de dents, promener le chien et ensuite on a lancé les cannes comme on a pu, un peu n'importe où, et puis à part les deux cannes en bordure. Et ce matin, à l'aube, j'ai replacé les cannes. Je tenais à remercier Jojo qui se reconnaîtra pour cet ensemble. Un mec vraiment réglo avec qui, si vous devez avoir une fois un contact avec lui, vous aurez vraiment pleinement satisfaction de ce que vous faites avec cette personne. Vous pouvez le voir, les bouillettes elles tiennent pas plus que 2 heures de temps. Les chats s'amusent avec. Je vais justement mettre une tiger ici et puis relancer. Si vraiment ça jouerait pas, je vais encore diminuer la longueur de ma tresse ici pour être sûr que ce soit pêchant, parce qu'en cas de vent cette fois-ci c'est emmêlé. Donc voilà. Voilà un beau spécimen prise avec une bille de la gamme Echo de chez Real Drops à l'arôme fish. Comme quoi, même la gamme Echo fonctionne très bien. Un beau poisson là.
Ouvre déjà bien grand le sac. Voilà. Voilà, un petit doublé avec mon fils là, sur le même arôme, la bouillette éco, arôme poisson, génial. Super, excellent. Les matins se suivent et pour une fois ne se ressemblent pas. Aujourd'hui on s'est réveillé avec le splendide soleil comme vous avez déjà pu le voir. Et au niveau de la nuit aussi, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas une nuit qui était aussi productive que ça. On a fait, bah, vous l'avez vu, un doublé. Et ensuite moi j'ai encore fait deux autres poissons. Donc j'ai pas pu filmer, il faisait vraiment nuit noire. La GoPro était dedans, je voulais non plus pas chaque fois réveiller mon enfant pour vous filmer ça. Mais sinon c'est chouette. Là les cannes sont replacées. On va pouvoir ranger tranquillement le campement, attendre que ça sèche un tout petit peu. Ça va aller vite aujourd'hui, ils annoncent du soleil. Et bah, la surtoile a fait son job. La température dans le biwi est rarement descendue en dessous des 11-12 degrés. Donc c'est vraiment chouette, ça m'a redonné un peu confiance pour pouvoir venir avec le petit. Et une fois que la surtoile sera enlevée, probablement qu'il restera quasiment rien pour que ça sèche. On range tout ça et probablement que je reprends après. Je reprends pour finir cette vidéo. Session terminée, finalement ça s'est très bien passé. En tout et pour tout, on a fait 9 poissons avec mon fils. Il a encore loupé encore un brochet. Tout est rangé, il fait beau, tout est sec, nouveau. On est prêt à rentrer. Une heure de route qui nous sépare entre ici et chez nous. Une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, comme d'hab, c'est gratuit. N'hésitez pas, faites-le, à laisser des commentaires, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.